Voilà, donc pour faire un œuf au plat, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des poêles, et la poêle, nous, on va la tremper dans l'azote liquide. L'azote, c'est toujours à moins 196 degrés, ouais. Donc on va la mettre dedans pour bien qu'elle prenne la température. C'est bien que tu donnes pas ton avis. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire une recette très très simple d'œuf au plat, et vous pouvez le faire à la maison, c'est très simple. Vous savez comment on fait la recette de l'œuf au plat avec le jaune, ouais. Parfaitement. Ouais. Le jaune d'œuf et le blanc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a complètement mixé avec de la crème, mmh. Et on l'a remis dans une coquille, ici comme ça. D'accord? Avec une seringue, tac, on l'a reglissé dans la coquille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la petite poêle ici, on va prendre la coquille d'œuf et on va casser l'œuf sur le bord de la poêle comme ça. Et on va en extraire le blanc. Voilà, juste comme ceci. On va laisser un petit peu cuire le blanc, comme ça. Voilà, on va attendre un petit peu. Et puis après, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre le jaune d'œuf et on va le glisser délicatement sur le blanc sans le crever, hein, pour qu'il reste bien comme ça. On le prend et hop, on le glisse tout doucement. Sans le crever, comme ceci. On va y mettre un petit peu d'assaisonnement. Voilà, c'était simple. Là dans l'assiette, ici, vous avez ce qu'on appelle ici une petite mouillette. La mouillette, donc c'est du pain, normalement c'est fait pour les œufs à la coque, les œufs à la coque. On trempe la mouillette dans le jaune d'œuf pour bien faire fondre le jaune d'œuf. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoller ici, tout doucement, et on va le glisser dans l'assiette. Maintenant pour la dégustation, vous allez prendre la petite mouillette, vous allez crever le jaune d'œuf, et il va falloir manger tout l'ensemble. D'accord? Parfait. Alors, je vais vous expliquer, parce que normalement, on laisse déjà manger la personne, et quand la personne goûte, elle s'aperçoit que le goût de l'œuf, il est bizarre, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un œuf virtuel, c'est-à-dire que c'est une cuisson d'œuf au plat où il n'y a pas du tout d'œuf dans la composition. Le jaune d'œuf, c'est une sphérification qui est faite avec un jus de mangue. Hein, comme vous avez eu, c'est une petite fine couche de gelée comme ça, et c'est juste à l'intérieur, tout est liquide et c'est comme un jaune d'œuf. Vous avez ici le blanc d'œuf, oui. Qui est une panna cotta qui est parfumée à la noix de coco, oui. La vanille en poudre qui remplace le poivre et la petite brioche à la fleur d'oranger qui remplace le pain. Donc avec les yeux, on voit un plat salé, puisque c'est l'œuf au plat, et quand vous allez manger, c'est un dessert. Voilà. Voilà. Et voilà, bonne dégustation. Merci.